Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons faire quelque chose d'assez spécial. Et oui, parce qu'aujourd'hui nous allons faire entrer un de mes poneys dans ma maison. Voilà, j'ai que ça à faire de mes journées, mais je trouvais l'idée plutôt pas mal et vous avez été certains à me demander ça comme défi. Et vu que je ne l'ai pas fait pour les 50 000, mais l'idée me trottait dans la tête, je trouvais ça pas mal et ça faisait un petit moment que je réfléchissais à faire cette vidéo. Donc aujourd'hui, je saute le pas, voilà. Donc pour cette vidéo, j'ai choisi comme cobaye Gossip parce que Gossip est très fine et légère comparée à Bilbao et est moins peureuse que Golden. Et surtout que lorsque je lâchais Bibi et Gossip dans le jardin, bah c'était la première à venir sur la terrasse. Donc je me dis que l'intérieur de la maison ne lui fera pas forcément trop peur. Donc voilà, bon. J'ai quand même dû demander l'accord de mes parents pour pouvoir faire entrer un des loulous. Sauf que bah, de base, c'était non, hein, parce que bah, c'est un peu compréhensible, parce que faire entrer un poney dans la maison, voilà, un chien, c'est rien, un chat non plus, mais un poney, c'est pas la même chose. Surtout que moi, c'est du carrelage que j'ai chez moi, donc j'ai pas envie de lui faire mal. Mais au bout d'un moment, ils ont quand même accepté. On va faire juste entrer Gossip dans le salon, parce qu'on a une grande porte-fenêtre, donc on va pouvoir la faire entrer par ici. Mais voilà, vous attendez pas à une maison tour, hein, vous verrez juste mon salon avec ma petite louloute dedans. Donc là, on va aller préparer la pépette et je vous emmène avec moi. C'est parti. Donc voilà, je viens de finir de préparer la louloute. Elle est fin prête pour découvrir ma maison. J'espère qu'elle va pas trop paniquer. J'espère qu'elle va surtout pas glisser avec le carrelage. Bon, les sabots ne sont pas mouillés, donc il n'y a pas de risque que ça glisse du coup avec le contact. Dans tous les cas, si je vois que ça glisse de trop, je la ressortirai. Je ne vais pas la mettre en danger. Donc nous allons voir ça tout de suite. Du coup, je vous retrouve avec mon téléphone. Donc là, on va faire monter Mrs. Gossip sur la terrasse. Oh, je sais plus par où je dois passer. Je sais plus. Oui, là, entre les deux arbres, là. Les deux petits buissons ici. Donc, on va faire ça tout de suite. Allez, viens, Bloute. Oh, les nounettes. Ouh ! Bon, bah, ça a l'air d'aller. Voilà. Première étape de fait. Madame est sur la terrasse. Donc nous allons tout de suite maintenant rentrer par la porte-fenêtre juste à côté et voir comment on se débrouille. Parti pour rentrer dans la maison. Doucement, Lulu. Doucement. 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 Ouais. Très bien. Très bien, Lulu. Oui, oui, Didouce. Donc voilà, vous avez pu avoir quelques images de ma petite louloute dans la maison. Le carrelage glissait, c'est pour ça que je faisais presque pas avancer la louloute, mais c'est elle qui voulait avancer toute seule. Mais franchement, je lui faisais faire des mouvements très lents pour que le sabot ait le temps de se poser sans glisser. Et puis voilà, je suis super contente, c'était super mimi de l'avoir à l'intérieur. Elle a pas trop stressé, elle a voulu découvrir les couvertures, elle voulait aller un peu plus loin dans la maison, sauf que non, je suis restée dans le salon comme j'ai promis.
à mes parents. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.